J'ouvre plus d'espérance avec l'engagement sur le mariage homosexuel et l'adoption qui est une avancée qui participe justement de la société de vivre ensemble que nous voulons bienvenue sur cette 19e de lutte de contre l'homophobie. Vous savez que l'année prochaine nous accueillons les discriminations un grand événement européen et donc aliénation et pour la reconnaissance de l'égalité des droits qui est une des valeurs fondamentales de la République, sachez que vous pourrez toujours compter sur le front de gauche et les parlementaires communistes. Très grand succès. Merci beaucoup. Pour l'égalité ou c'est des prides, on les appelle comme on veut. C'est un grand moment avant tout de lutte pour nous, de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. C'est un moment aussi de fête populaire et quand la politique rejoint la fête, c'est là peut-être qu'elle arrive à porter les plus beaux messages. Avec le changement politique de cette année, nous sommes dans un contexte particulier qui peut être, qui permet de grandes avancées pour tous les gens qui sont discriminés en fonction de leur identité ou de leur orientation sexuelle. Le nouveau gouvernement propose enfin l'accès au mariage et à l'adoption pour tous les couples de même sexe donc y compris. C'est une revendication que le Parti communiste porte depuis peut-être une quinzaine d'années. En tout cas, nous étions à la pointe de ce mouvement-là. Et c'est pour ça que les communistes, tout naturellement, se retrouvent dans ces marches à travers toute la France pour donc montrer que le mouvement politique, le mouvement associatif, le mouvement syndical est concerné également par des questions de société qui sont fondamentales puisque c'est l'égalité des droits. À Marseille que l'on doit regretter et dénoncer et essayer de faire changer, c'est que le mouvement LGBT est divisé, fortement divisé, puisque nous avons assisté à deux marches parallèles. Certes, elles ont démarré ensemble, elles sont quasiment terminées ensemble, mais je crois que c'est irresponsable de maintenir cette division, surtout à l'horizon 2013, où Marseille accueillera la marche l'Europride, donc la marche européenne pour l'égalité et contre les discriminations. Fameuses émeutes de Stonewall qui avaient été déclencheuses, on va dire.
dire, les premières revendications qui déclencheront donc les premières marches pour l'égalité. Et à Marseille, les premières Gay Pride remontent à 95. Donc si je compte bien, ça fait 17 ans qu'une Gay Pride a lieu chaque année à Marseille et clôture d'ailleurs, puisqu'elle arrive enfin de toutes les Gay Pride du circuit de la France, des différentes villes en France. Donc aujourd'hui, c'est la dernière Gay Pride en France. Fait avancer la contradiction, parce qu'à partir du moment où il y a un marché, c'est d'ailleurs ce qui s'est développé, une reconnaissance des droits à partir des années 80 qui s'est accélérée pour les homosexuels, ça va de fait où on reconnaît que des personnes, il y a une possibilité financière plus forte éventuellement que dans un couple hétéro pour des enfants.
sensibiliser la population, même les parents qui des fois vont mal vivre l'homosexualité de leur enfant, c'est une bonne chose bien sûr. Donc on peut espérer que ça continue à progresser, et dans le cadre du mariage, l'adoption bien sûr devrait exister. Ce qu'on fait aussi au sein du parti, on est pour l'insémination artificielle. Des richesses, et le partage des richesses passe aussi par l'égalité des droits. Non. Et en même temps, ça pose un vrai problème parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de transsexuels qui vont se faire opérer loin, dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. La réintégration en plus quand ils reviennent sur leur lieu de travail, leur lieu de vie est très compliqué. Et je pense que la France doit aussi être capable aujourd'hui de prendre en charge cette mutation. Sur la question, sans déjà ne serait-ce que dans la, bon,
dans la pratique médicale, je voudrais juste faire une petite digression, mais chez les femmes lesbiennes, on a un taux de cancer qui est beaucoup plus élevé que chez les autres femmes, parce qu'il y a un accueil par les médecins, les gynécologues dans les cas des dépistages qui sont absolument pas traités correctement, parce qu'il y a encore un recul face à des habitudes d'amour qui sont différentes aux yeux du médecin. Donc déjà ça, moi je tiens à le dénoncer parce que je crois qu'on ne le sait pas assez et que c'est important. Ensuite, ben, de toute façon, à partir du moment où la sécurité sociale subit aujourd'hui des plans d'austérité à venir, ça ne peut pas aller dans le bon sens. Et je pense, oui, qu'il y a un travail à faire, mais avec un numéro clausus comme on en a en médecine aujourd'hui, avec tout un travail qui n'est pas mis en avant, y compris dans les études de médecine, pour justement accueillir les patients correctement, ben, on va au-devant de grands, grands crises. Certainement, je vais juste donner une anecdote. Le refuge qui s'est créé à Marseille il y a maintenant un peu moins de 2 ans, aujourd'hui est déjà saturé. On a des jeunes qui... Et dans les lycées, dans les établissements scolaires, parce que ça concerne des mineurs qui sont renvoyés de leur famille lorsque la famille découvre que leur enfant est homosexuel. Aujourd'hui, y compris dans les établissements scolaires, c'est pas simple. Même ne serait-ce que de poser une affiche refuge. Tous les établissements scolaires ne l'acceptent pas. Ce qui prouve donc qu'il y a d'abord dans les contenus pédagogiques tout un travail.